Salut à tous, ici Tarscan pour le point raid. On se retrouve aujourd'hui pour parler des champions qui vont sortir en octobre, en même temps que la fusion de Maranix. Maranix, euh, où j'ai enfin la fiche technique complète de ce héros. Euh, D'habitude, ils la sortent plus tôt. Ça avait été le cas de huko Et euh, là, je sais pas, ils ont un peu traîné les pieds. Ils ont laissé un peu l'exclu euh, aux gros youtubeurs qui ont accès au content creator programme. Là, euh, bon, quand on est petit, on va pas se plaindre. On l'a enfin. Euh, problème, Maranix, c'est vrai que euh, j'ai vu des plaintes par rapport au fait qu'il été d'affinité force, pour ce qui est des cryptes de faction. et eh bien c'est très chiant pour fumer les, va les Valkyries, qui sont déjà très chiantes à fumer, mais pour moi, Maranix, c'est un très bon héros, en fait, je veux dire, à partir du principe que euh, vous n'avez pas de nocker, à partir de ce principe là, vous n'avez pas de nocker, ou vous voulez jouer la méta ex, tout simplement, j'ai déjà fait une vidéo précédemment sur la méta euh, Autour du pool PV, Calero se complétait bien par rapport à ça. Je vais faire une vidéo sur, la, sur justement la, la, comment dire ça, le debuff X. C'est aussi une méta viable. C'est jouable. C'est une méta, certes, qui demande à de ne pas avoir un cleaner en face parce que ça peut être très chiant. Donc, c'est une méta qui se joue souvent avec un debuffer pour éviter d'avoir un, un bloc debuff en face. Mais ça, c'est un sujet qu'on abordera plus tard dans cette fameuse vidéo autour de la méta X. Là, on va s'attaquer au profil de Maranix. Euh, son A1 qui permet de frapper deux fois. Et elle a 50% de chance de frapper deux fois de plus si la cible est sous debuff euh, X. Donc, du coup, si c'est assez fort en maths, on peut obtenir euh, quatre coups maximum. Euh... Donc, voilà. Et en plus, les chances de mettre des, des coups en plus est calculée individuellement. Donc c'est à dire que c'est 50% de mettre une fois, 50% de mettre deux fois. Ça c'est un peu dommage pour moi, ça aurait été hyper intéressant d'avoir le 100%, donc même pas négociable, c'est elle met, euh, quitte à avoir juste à mettre le buff, euh, enfin le debuff X, forcément pour obtenir le, les 4 hits. Là, euh, ouais, c'est un peu dommage. Honnêtement. Euh... Alors, je ne sais pas si ça se calcule de, de manière à ce qu'elle puisse mettre 6 coups. Techniquement, parce que c'est à dire qu'elle met un coup, plus elle a une chance d'en faire un de plus, plus elle a une chance de faire un de plus, et ce deux fois. À voir pour l'instant, j'ai vu la vidéo de Haggard qui ne conseille pas de la fusionner, moi je vous conseille l'inverse. Accumuler un maximum de héros légendaires. Parce que si vous, jouez, vous chopez un doublon de Maranix, au lieu de souffler, et ben pour votre gardien de faction, c'est toujours deux légendaires qui vont vous permettre de gagner soit de la vitesse pour compléter votre ring faction, soit des PV, soit de la précision, soit de la def, euh, soit de la vie, de l'attaque, etc. Que des, des bonnes valeurs, même de la précision ou de la résistance en plus. Euh, c'est ouf. Surtout sur Mitralas, si elle gagne plus 35 précision, plus 35 résist. Pour elle, techniquement, c'est comme si elle gagnait 70 points de résist. Euh, ouais, au total. Donc ça se joue. Excruciate, euh, elle attaque tous les ennemis. Alors c'est ramené à 100%. Elle peut placer le debuff euh, X. Et un, le, la version grosse de euh, Decrease Def. Donc ça, c'est vraiment pas dégueulasse. Et ce, tous les trois tours. Donc pour spammer, même si vous n'avez pas un Decrease Def en, en personnage. Ben euh, mine de rien, ça peut faire un très bon euh, decrease def en héros. Maranix peut se jouer euh, en précision plus qu'en dégâts purs. Euh, inexorable End qui attaque tous les ennemis, donc elle a deux AoE, Et ben elle va ignorer l'intuable, les boucliers, si la cible est, est sous l'effet d'un debuff X. Donc techniquement, c'est vrai que la contre-affinité force euh, par rapport à Valkyrie bah on peut s'en battre un peu les couilles parce qu'imaginons qu'elle fasse un coup fort en critique sur une valkyrie vous allez me dire il y a beaucoup de si mais il y a moyen euh, du coup de clean euh, très rapidement les valkyries donc moi je me dis ça peut se prendre sachant que ça se fait tous les quatre tours et en plus si elle bute quelqu'un elle peut gagner un, un buff intuable et si la cible était sous l'effet euh, Ex, donc, malédiction, ce sera pendant deux tours qu'elle sera intuable. Ça, donc, du coup, en termes de, de possibilité de survivre, Maranix, c'est trop bien. C'est trop, trop bien parce que ben, vous avez un occur qui peut survivre, qui a des qui, qui remplit son rôle à la perfection, qui va en plus euh, se rendre invincible à chaque fois qu'elle tue quelqu'un. Donc, elle va craindre contre un Rotos, c'est vrai, mais. Euh... Moi, je me dis, c'est quand même un kit pas si dégueulasse. Hein. Euh, euh, Franchement, pour moi, faites-le. De toute façon, avez... c'est toujours intéressant de faire un événement de fusion parce qu'il y a plein de récompenses. On gagne des boucs, on gagne de l'énergie, on gagne des gemmes. Là, en ce moment, ils ont mis des pièces d'âme à gagner dans les événements. Ça aussi, c'est à prendre. Et en plus, euh, Death Collector, si euh, elle, elle reset le cooldown de, de son A3, à chaque fois qu'elle tue un ennemi sous des buffs ex. Donc, c'est à dire qu'elle va spammer Inexorable End. Euh, c'est juste trop bien. Et en plus, son attaque augmente de 5% pour chaque ennemi euh, sous l'effet de malédiction. Ça aussi, c'est trop trop bien. Pour une méta euh, malédiction, avec une mitrala, un, un Ruel ou quoi, c'est génial. C'est génial. Enfin, je vois pas ce qu'il y a de plus à dire. Elle va aller marteler euh, l'équipe adverse et euh, même pour la Doom Tower. Ça peut, ça peut être une alternative assez cool. Bon, par contre, pour du combat de boss, on va pas se mentir, Maranix, c'est pas incroyable. C'est pas incroyable. Par contre, elle a un potentiel, je trouve, PVE, PVP contre des équipes de héros euh, solo, qui est vraiment pas dégueulasse, hein, franchement. Pour moi, elle a un plus à de prix. Et de toute façon, suivez mon conseil par rapport à ça. Si vous êtes free to play, vous n'avez rien à perdre à ramasser un nouveau légendaire. Maranix, ça se trouve, il y aura un rework. Euh, sur elle qui va être incroyable, tout le monde va dire ah oh, je regrette de ne pas avoir fait la fusion, Boubou, bou bou bou, et euh, tout le monde va dire bah j'aurais dû le faire. Et là on va se sentir con parce qu'on avait l'opportunité de l'obtenir assurément et gratuitement sans avoir la RNG qui entre au jeu de l'avoir dans un shard. Honnêtement, franchement, faites-le. Franchement pour moi, c'est un héros. Moi je vais le faire. Il y a, y a tout qui est mon dedans. Euh, elle frappe fort. Euh, et euh, en plus, je pense qu'avec un, une petite grâce faucham, bah, elle peut être maxi casse-couille, Vraiment, hein. elle peut être vraiment euh, très très intéressante. Je dis pas, elle n'est pas au niveau d'une tronda, elle n'est pas au niveau d'un effraque. Mais, mais, pour moi, ça reste quand même un bon héros. Ça reste un très très bon héros. Elle rentre dans la méta X parfaitement. Elle le pose. Elle met du break def, euh, Pour moi, ce serait, euh, ouais, A2. A3 et si vous avez un perso qui peut poser avant euh, la, le, la malédiction, bah vous spammez la 3 parce que de toute façon elle va frapper assez fort selon moi pour euh, surtout en arène pour toujours spammer cette A3 et euh, vraiment être voilà, euh, fin inexorable, quoi. vraiment être sans pitié sur l'adversaire, l'empêcher. Voilà Il n'y a rien de pire pour, euh, pour une équipe, euh, par exemple avec une arbitre qui va ramener avec un peu de PV, euh, selon comment ça a été joué. C'est être l'action boost ATB plus buff euh, attaque plutôt ou quoi, ça peut faire toute la diff. Surtout son passif est vraiment, vraiment cool, à mon sens. Fortus, un héros où j'en beaucoup un void hein, qui porte bien son affinité, qui rentre dans la méta euh, euh, de la peur. Une méta qui je trouve n'a pas été exploitée depuis euh, un petit moment avec peu de héros. Euh, là, ils ne seront peut-être pas d'accord. Moi, pour moi, euh, je trouve que ça a été exploité un temps puis c'est tombé un peu en désuétude, hein. c'est soit, soit à machalade soit Jacques et pour moi Machaled remplit tellement bien le boulot que pour moi un Fortus plus machalade euh, c'est un duo de l'apocalypse en PVP, même en PVE pour euh, clean la Doom Tower, c'est vraiment un, un duo de l'apocalypse. On va passer par son A1 qui peut poser avec 50% de chance un debuff euh, peur, et en plus, l'attaque est toujours critique si la cible est déjà sous l'effet de la peur ou de la vraie peur. Donc, vous jouez avec un match à hein, comme je le dis, c'est le coup critique assuré, tout simplement. Donc, c'est un héros où il ne va pas falloir forcément investir un max sur le coup critique. À moins que je me trompe, attendez, il faut que je relise un petit peu. À part sur son A2, il va attaquer tout le monde et poser un Truffier pendant un tour. Et ça ne peut pas être résisté si les ennemis sont déjà en buff, euh, en debuff euh, peur euh, normale. Ça peut être bien sûr augmenté à 100%. Et ce, tous les trois tours, donc de la méta de la peur. Euh, Astral Terror qui a l'air ouf. Euh, il attaque tous les ennemis, il va ignorer 30% de la def pour chacun des ennemis. Sous l'effet de la peur ou de la peur absolue. Et cette attaque est toujours critique. Toujours critique, il hein, faut bien le noter. Si la cible est sous l'effet de la peur ou de la peur absolue. Donc non, pas de coup faible. Il n'y a pas de possibilité de coup faible, vu que c'est un coup critique automatique, il n'y a pas de coup faible. En plus, là où ça devient vraiment gore, c'est que ces dommages sont augmentés de 10% à chaque fois qu'un ennemi se prend un, un debuff peur ou peur absolue. Ça peut être boosté jusqu'à 40%. Ah non, pardon. Ça peut être boosté euh, indéfiniment, on dirait. Alors je ne sais pas si c'est par exemple par rapport au nombre de debuffs... Peur, euh, euh, comment dire en place ou si c'est plus 10% pour chaque buff euh, enfin des buffs peur ou peur absolue qui a été placé tout au long de la partie et ça ça peut être très important et avoir son importance on retrouve un peu le même système euh, qu'un baron parce que cette compétence a 40% de chance d'être débloqué pour un tour à chaque fois qu'une peur ou une peur absolue est placée sur un ennemi donc pour moi quand même ce héros, hein, ce Fortus se joue avec un l'aide, Ou du moins avec un héros qui a la possibilité de poser très 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 régulièrement euh, de la peur pour lui permettre justement de spammer Astral Terror parce que c'est trop trop fort en soi. Euh, un Fortus avec un set euh... Ouais un set sauvage. Hein, pour ceux qui... Il y a le set de, de Darkfay qui pète très bien, là qui donne plus 10 en taux critique, plus 25 en ignore def en plus, mais un set sauvage peut aussi faire le boulot pour passer à 55%, avec aussi un fracas crâne, on passerait alors à ouais, 80% Dignor de, de def Donc on serait proche du 100% absolu d'ignordef. def ça peut être très 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 gore, sachant qu'il y a un bonus de dommage, euh, ça peut être un nucker absolu hein, pour moi, euh, Fortus, mais il se jouera avec un machalade. Même si son A2 lui permet de poser la véritable terreur, c'est sur un tour. Alors qu'un match à l'aide c'est deux tours. Donc ça peut faire vraiment sa différence. Euh, son passif, euh, Starline, donc bon, on ne va pas se mentir, Fortus a une grosse inspiration euh, Lovecraftienne hein, autour de Cthulhu. Ça joue beaucoup autour de la peur et euh, des tentacules avec euh, un personnage un peu en poulpe. Euh, donc son passif qui augmente les chances d'échouer de 15% pour les ennemis. Sous l'effet de peur et de peur absolue. Ça, c'est juste énorme pour compléter ma Chaled, Parce que ma Chaled pose déjà euh, une augmentation de dégâts critiques, augmentation de vitesse. Il pose sans il pose euh, la peur absolue sur tous les ennemis. Donc en plus, on va nous dire que maintenant, ma Chaled va va être encore plus méta avec Fortus, dans le sens où euh, vous aurez encore plus de chances de faire échouer des compétences en face. C'est juste super gore. En plus son passif tous les 4 tours sont en active effect, et eh bien ce champion ne peut, peut éviter la mort. Et eh oui, tomber à 1%, 1 HP, tout simplement. Alors, ça peut permettre aussi de mettre un. Un set fury. Pour qu'à 1 HP, il fasse un Astral Terror sur l'adversaire. Ou une Aurore Beyond. Ça peut être très très bien. S'il est touché par un, un coup fatal. Donc, et en plus, il va enlever tous les buffs et des buffs. Alors. Enlever tous les buffs, c'est dommage, mais au moins ça clean, euh, il, se, il se lave en fait. Après euh, avoir prévenu la mort de ce héros, il va se soigner complètement. Et en plus, il va vider, c'est n'importe quoi, il va juste vider le, le compteur de tour des adversaires. Donc... Euh, alors, je sais pas si c'est... Euh, il va se fully déplet son, son turnmetter à lui. Ou... Parce que là, je vous avoue que c'est... After c'est Champion Death. Ah, je pense que c'est lui qui se vide. Alors ça c'est dommage. S'il se vide lui-même son, son turn meter. Mais disons que ça peut lui donner une survie et en plus il peut revenir, il peut faire un comeback, ça peut être très sympa. En plus il va se poser, euh, un, il va poser sur les adversaires. Euh, enfin il a 80% de chance de poser une peur sur tous les ennemis pendant un tour. Donc euh, son comeback avec un Astral Terror sur l'adversaire. Il ne va pas coûter cher en termes de bouc, il tourne autour de 11, ouais, 11. Et en plus, il se pose une, un, un debuff dodo pour un tour. Il ne peut pas résister. Donc c'est vrai que pour Star Align, il faudrait l'accompagner d'un cleaner debuff. Donc un accord Smash Lord par exemple ou une mitrala pour clean pour le clean. Tout simplement. Euh... C'est vrai que je n'ai pas regardé pour Maranix, il va lui falloir tout simplement eh bien, 12 boucs 12 légendaires pour elle. Mais Fortus, pour moi, il vaut le coup. C'est un héros de type défense. Donc en plus, il va être archi-tanky. Donc c'est ça qui va être incroyable. Il va être archi-tanky. Il va revenir de loin. Et en plus, il a une, une aura d'allié qui augmente les le taux critique de 25% en arène. Tomoe, je la trouve trop bien. Euh, Super-héros pour les cryptes de faction pour ceux qui galèrent, affinité force encore une fois. Et eh bien elle a 50% de chance de voler un buff au pif. Donc euh, c'est bien contre une Valkyrie. N'oubliez pas, un, un, un coup faible, ne, ça empêche de voler, tout simplement. Bamboozled, euh, bambouzle Enfin moi je pense toujours au même Bamboozled euh, sur son A2 et eh bien qui se trigger tous les 3 tours, et a 100% de chance de placer un décris attaque sur tous les ennemis, en plus d'attaquer tous les ennemis, donc une superbe AOE. Et son A3, qui est très cool, elle place une contre-attaque sur un allié pour 2 tours, elle se place un... Ou alors, pour 2 tours, un allié normal, s'il si est de la faction des Shadowkin, il gagne un contre-attaque pendant 3 tours. En plus, elle va remplir le temps de tous les alliés de 15%. En plus, elle va augmenter les crit damage de tous les alliés pour deux tours. Et alors la petite caviar, si ils sont de la faction des Shadowkin, et eh bien, elle va augmenter le, le crit Rate, le critique rate de, de tous les alliés, de la faction Shadowkin, pendant 2 tours. Et ce, tous les 4 tours. Donc c'est un héros vraiment support. Je la vois bien euh, prendre euh, la... En maîtrise la maîtrise qui permet de booster les buffs d'un tour ça ça peut être vraiment vraiment bien honnêtement c'est un très très bon euh, un très très bon héros elle a en plus euh, voilà c'était a été fait penser pour euh, voilà elle a une aura de speed en crypto de factions de 24% et son passif elle augmente les heals et les et les, les field feel effect de, par 20% si utilisé sur des alliés de la faction des Shadowkin donc, ça c'est trop trop bien. Il y a plein de héros qui, justement, chez Shadowkin, boostent ou euh, justement volent euh, du turn meter, Donc, en plus, elle va augmenter ses, ses effets par 20%. Donc, en fait, son 15% va passer à 35% de fil meter, Si, en fait, elle se joue vraiment en crypte de faction, Tomoe. Vous galérez en faction Shadowkin, en crypte de faction Shadowkin, vous prenez Tomoe, euh, franchement, ça va bien se passer quoi. Enfin, ça sert à rien de râler. Elle est vraiment bien à mon sens. C'est un très bon héros, j'investirai, je, je ferai un, un tuto sur elle et je montrerai ses effets en, en crypte de faction. Et en plus, elle ne coûte que 11 books euh, épiques. C'est pas non plus euh, incroyable, c'est pas hyper cher, mais c'est pas non plus peu. Et Prosecutor, un nouveau euh, héros euh, rare au elf. Euh, qui attaque deux fois, peut deplate... Euh, en fait, il y a 20% de chance de deplate de 10% l'ATB de l'adversaire. Ça peut augmenter à 30%. Il attaque tous les ennemis, il peut déposer un, à 75% de chance un Decrease Speed de 30%, donc la grosse version, et ce, tous les trois tours. Prosecute, euh, il attaque un ennemi trois fois, et euh, il peut poser à 75% de chance de poser un... Ah non, il peut, il peut poser la grosse version de Increase euh, Accuracy de 50% sur ce champion avant d'attaquer. Ça c'est dommage, ça aurait été mieux que ce soit euh, sur toute l'équipe. Et chaque coup à 30% de chance, donc là ramené à 55%, de poser un, réduction, un heal reduction euh, de 100% pendant deux tours. Et ce, tous les quatre tours. C'est pas incroyable, disons que pour euh, contre un dragon de magma, ça peut être intéressant. Euh, je vois pas d'autre intérêt en hein, vrai de procureur surtout qu'il est en contre-affinité par rapport à dragon de magma ouais euh, franchement là je sais pas trop son utilité euh, si vous vous avez un avis sur procureur n'hésitez pas à le dire dans les commentaires mais moi euh, bof bof je vois pas trop enfin voilà c'était Tarscan pour le poirede ciao